ou donnerez-vous de l'argent de poche à vos enfants ? Un petit argent de poche, oui. Je sais pas, à l'âge de 10 ans, 11 ans, peut-être, oui. Alors, pas ma petite fille, parce qu'elle a même pas 2 ans, mais par contre, mon petit garçon, oui, je lui donne. Dès qu'elle sera un peu plus grande, en âge de comprendre l'argent, oui. Pas du tout, parce que c'est des geeks et qui passent leur vie sur un ordinateur, donc éventuellement, de temps en temps, une carte pour acheter quelque chose en ligne, mais ça s'arrête là. Je dirais à une fréquence, peut-être au début, hebdomadaire. De toute façon, au début, ça n'a qu'une valeur symbolique. Je lui ferais un compte et je lui mettais de l'argent de côté, de l'argent où ils ne peuvent pas toucher tout directement. Et après, oui, je lui donnais une somme par mois. Et ils font avec ça ce qu'ils veulent, mais il faut savoir aussi que s'ils gaspillent tout, c'est, après, ils n'ont rien. Ne peut-être pas le leur donner comme ça facilement, mais que ce soit un peu mérité. Un service rendu à l'occasion, il faut aussi leur apprendre à rendre des services gratuitement, évidemment. J'avais mon premier compte bancaire à l'âge de 16 ans et j'ai pas vraiment eu une somme mensuelle, mais de temps en temps, mes grands-parents ou mes parents me donnaient un peu de l'argent, donc je mettais dessus. Et pour la gestion de cet argent ? Avec ou sans votre aide ? Quand j'étais plus petite, oui, ils contrôlaient combien je gaspillais et tout ça. Oui, je pense que je vais leur apprendre, bien sûr, à gérer leur argent, sans être trop strict non plus. Il faut quand même épargner un tout petit peu, un jour plus tard, mais pas qu'ils se privent des choses quand même intéressantes. Notre société devient de plus en plus cashless, cash-free. Donc c'est important que les enfants comprennent dès le début comment ça fonctionne. Et avoir de l'argent sur un compte n'est pas une idée abstraite, mais que ça existe vraiment. Et voilà. Moi, je souhaiterais bien justement leur faire prendre l'habitude de pouvoir gérer justement un budget, mais pour l'instant, ça passe pas. C'est pas du tout leur truc. L'habile synthèse. 1. L'argent de poche responsabilise les enfants, leur apprend la gestion du budget. 2. La majorité des parents interrogés souhaitent s'impliquer dans cet apprentissage. 3. Une fois par mois, une fois par semaine, sur un compte ou en espèces, il y a autant d'écoles que de parents. Retrouvez d'autres contenus sur votre gestion financière en regardant my-life.lu.